Tchouaméni va signer au Real Madrid. L'info vient de tomber notamment par RMC Sport. Le Real qui vient de se prendre une clim monumentale par Mbappé réagit directement. C'est ça aussi être une grande institution. Tchouaméni, c'est le futur. Tchouaméni, c'est un autre Français. Il était convoité par le Paris Saint-Germain et par Liverpool. Et on peut d'ores et déjà dire que la première bataille entre le Real Madrid et Liverpool a été remporté par les Espagnols. Alors ça fait plaisir parce que comme je vous l'ai dit, le Real, ça a été difficile ce mercato. Tu as perdu Haaland, tu as perdu Mbappé et donc du coup tu dois replanifier tout ce mercato. Et hier, ça tombe bien, j'ai fait une vidéo spéciale mercato. Vous avez été très nombreux à le regarder. Merci beaucoup. Et j'avais ciblé 3 joueurs en priorité. On avait parlé d'un milieu de terrain et j'avais ciblé Tchouaméni. C'était une priorité absolue du Real Madrid. Je lui avais alloué la note de 5 sur 5 en priorité. Donc évidemment que ça me fait extrêmement plaisir qu'il signe aujourd'hui au Real Madrid. Et pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Je parle notamment du poste de latéral droit, mais également du poste d'attaquant droit, tout en parlant également du poste de remplaçant de Karim Benzema. Donc oui, ça fait plaisir parce que Tchouaméni, c'est le futur. Tchouaméni correspond parfaitement à la stratégie du Real Madrid de renouveler cet effectif. Alors tu as Kroos, Casemiro, Modric qui vont sûrement jouer leur dernière finale de Ligue des Champions samedi ensemble, puisque Modric va avoir 37 ans. Il sera prolongé l'année prochaine jusqu'en 2023. Il va découvrir le nouveau Bernabeu. Toni Kroos, c'est pareil. Toni Kroos commence à parler de retraite. Peut-être en 2023, peut-être en 2024. Vous savez, les Allemands, ils n'aiment pas se retirer trop tard. Moi, Toni Kroos, je pense qu'il va faire une retraite à la Philippe Lahm, qui va se retirer au sommet, au top. Et donc, le Real prépare déjà l'après. Parce que ce milieu de terrain a tellement gagné, le Real Madrid est tellement dépendant de ce milieu de terrain qu'il faut déjà prévoir le futur. Et donc là, tu as Camavinga l'été dernier, 35 millions. Tu as Valverde et tu as Tchouaméni. C'est-à-dire que tu as déjà les 3 milieux qui vont remplacer les 3 monstres et ça, c'est incroyable. On parle d'une offre de 80 millions d'euros, ce n'est pas rien. Alors Tchouaméni, il n'était pas planifié cet été. Le plan, c'était Rudiger, Fran Garcia côté gauche et Mbappé. Étant donné que tu viens de perdre le Français, que tu as énormément budgété sur Kylian Mbappé, bah, tout cet argent en termes de primes, en termes de salaire, bah, tu vas pouvoir le redistribuer à plusieurs joueurs. Et là donc, tu venais de perdre Mbappé et Haaland, tu devais rebondir. Si tu perdais Tchouaméni, en termes d'image, ça aurait été tout bonnement catastrophique pour le Real Madrid. Donc c'est une super nouvelle. Tchouaméni, 80 millions d'euros, tu le prends au nez du PSG, au nez de Liverpool, et tu redores un peu ton image avec ce transfert. Tu montres que le Real Madrid sera compétitif dans les années à venir. Tu montres que le Real Madrid est toujours attractif. Et voilà, c'est une super nouvelle. Concernant son profil, donc j'ai pu le suivre au Girondins de Bordeaux, un peu moins quand même du côté de Monaco. C'est un milieu extraordinaire. Il a tellement progressé ces dernières années. On l'a vu à la Ligue des Nations avec l'équipe de France. Il amène sa patte directe, quoi. Il est physique, il est technique. Il a une superbe vision du jeu, il se projette. Je ne lui trouve pas énormément de points faibles, si ce n'est l'expérience des très très grands rendez-vous. Mais ça, il va l'apprendre au Real Madrid, comme Camavinga est en train de l'apprendre. Et ce qui est bien du coup au Real Madrid, c'est que du coup Modric, Casemiro, Kroos vont partir petit à petit. Mais tu as déjà la nouvelle génération qui a acquis de l'expérience. Valverde, Camavinga, ils vont déjà jouer une finale de Ligue des Champions. Donc pour les saisons futures, c'est excellent parce que tu as finalement déjà 3 milieux qui sont prêts à prendre la relève et que tu vas garder peut-être pendant, allez, peut-être pas 10 ans, mais au moins 7-8 ans. Et le Real prépare déjà le futur. Le milieu de terrain, c'est quasiment un chantier bouclé. Donc évidemment, l'avenue de Tchouaméni annonce sûrement le départ de Ceballos. Le Real ne pourra pas garder 7 milieux de terrain, ça me paraît beaucoup trop. Et donc le Real, l'année prochaine, partirait sur 6 milieux. Donc les 3 légendaires, Valverde, Camavinga, Tchouaméni. Et je pense que c'est que le début côté Real Madrid. En termes d'image, ils ont tellement perdu. Ils ont tellement perdu avec Kylian Mbappé et Haaland. Ils vont devoir faire un gros mercato. Ils vont devoir réagir. Ils ne peuvent pas se contenter de Tchouaméni et d'un latéral. Ils vont devoir prendre un grand attaquant droit ou un grand remplaçant à Karim Benzema. Donc pour moi, le mercato du Real pour l'instant, tu as Rudiger, tu as Tchouaméni, tu auras sûrement Fran Garcia et il faut s'attendre, je pense, à un latéral droit. Alors peut-être pas Reece James parce qu'il coûte très très cher, mais pour moi, il aurait le profil parfait. Et il faut s'attendre à un très grand nom devant, peut-être Mohamed Salah. Et en plus de toutes ces qualités que je viens de citer, c'est un joueur qui a du caractère. Et ça, c'est très important. C'est un joueur qui a de la personnalité. Quand on l'a vu à la Ligue des Nations,
il venait d'arriver. Quand Didier Deschamps lui a fait confiance, t'as directement vu un joueur à l'aise, un joueur qui a osé, un joueur qui a tenté, un joueur qui ne s'est pas caché. Combien de jeunes on a vu qui ont percé et lors des grands matchs, lors des grands rendez-vous, on les a perdus. Tchouaméni, ce n'est pas ça. C'est une progression fulgurante avec bien sûr des qualités techniques hors du commun, un bagage physique pareil impressionnant, mais surtout il en a là-dedans. Donc je suis content parce qu'il avait dit qu'il ne voudrait pas trahir Monaco en signant au PSG. Il a tenu sa parole, il voulait une expérience à l'étranger. Donc bien sûr, tu avais la bataille finale entre Liverpool et le Real. Et ce qui est drôle, c'est que moi je pensais qu'il allait le dire après la finale. Pas que la finale allait donner son jugement dernier, mais ça aurait peut-être pu l'influencer, voir qu'il aurait pu avoir plus sa place à Liverpool qu'au Real. Non, il a voulu le dire avant la finale. Et finalement, c'est une petite bataille remportée par Florentino Pérez vis-à-vis de Liverpool avant cette finale. Alors, ça ne veut pas dire évidemment que le Real va gagner la finale de Champions League, mais c'est déjà une petite victoire. Et surtout, comme je l'ai dit, médiatiquement, en termes d'image, tu réponds directement 4-5 jours après la décision de Mbappé, 4-5 jours après la honte internationale que tu as subie puisque tout était bouclé, tout était fait, tout était annoncé pour signer Mbappé. Tu réponds par Tchouaméni, l'autre crack français des prochaines années. Et ça me fait penser à quelque chose. Souvenez-vous, je vous avais dit, attention le PSG, ne libère pas ses joueurs. Et les cracks français, les nouveaux qui vont arriver après, dont Tchouaméni, dont d'autres qui vont arriver bien sûr plus tard, ils ont retenu cette image. Ils se disent, attention, si moi j'ai le rêve un jour d'aller à l'étranger, ce qui est possible, le Paris Saint-Germain va m'en empêcher. Donc, les jeunes joueurs vont éviter désormais d'aller au Paris Saint-Germain parce qu'ils se disent, oui, j'ai envie de jouer en France. Oui, le Paris Saint-Germain, c'est un club fantastique. Oui, j'ai envie d'aller au Paris Saint-Germain, mais si plus tard je veux aller en Angleterre, en Italie ou en Espagne, voire au Bayern Munich, le PSG ne me libérera pas. C'est l'une des conséquences de la politique du Paris Saint-Germain. Tu as gardé Mbappé. À quel prix? On le verra dans le futur, mais surtout les jeunes derrière. Camavinga, il est décidé par le Paris Saint-Germain, il va au Real. Tchouaméni, ciblé par le Paris Saint-Germain, il va au Real Madrid. Donc voilà les amis, c'est une excellente nouvelle. Je l'avais mis à 5 sur 5 hier, c'était une priorité absolue. Il faut déjà prévoir le futur, puisque pendant, la dernière année, je vous avais dit, attention, ce milieu de terrain, il va falloir le renouveler, c'est le chantier prioritaire, puisque devant, tu as quand même Rodrigo, tu as Vinicius, tu avais déjà des jeunes pour prévoir le futur. Au milieu de terrain, ça y est, c'est fait. Et donc, quand tu regardes maintenant cet effectif du Real Madrid qu'on dit vieillissant, finalement, t'as Militao, 23 ans, t'as Camavinga, 19 ans, t'as Valverde, je crois qu'il a 22 ans, Tchouaméni, 22 ans, Vinicius, 21 ans, Rodrigo, 21 ans. Alors oui, t'as quelques briscards, Benzema, Modric, t'as Alaba qui a 30 ans, mais dans l'ensemble, Courtois, il a 29 ans, c'est très jeune pour un gardien de but. Petit à petit, le Real Madrid 2020-2030, il est en train de se dessiner. Donc, il te manque sans doute un attaquant droit, il te manque un latéral droit, il te manque évidemment le successeur de Benzema, et t'es paré, et t'es parti pour les 10 prochaines années. Donc les amis, donnez-moi votre avis dans les commentaires. J'espère que vous serez très heureux de cette nouvelle. En tout cas, c'est un véritable plaisir. Le programme de cette semaine, demain vous aurez la vidéo sur Rodrigo Valverde. Jeudi soir, vous aurez l'avant-match Liverpool-Real Madrid. Et je vous donne ensuite rendez-vous pour la finale, le débrief à chaud de Liverpool-Real Madrid. Portez-vous bien les amis et à la Madrid !